Quand Laura Désiré Kabila a yé na Rwandais wana, tant wa kabwani na bango. Au monaka ndenge Congo et komaka. Laura Désiré Kabila zoa ba lié na ibalaki na. Ya ouest. Zomo. Ba lié yo so ba pays presque nyon sur est, bazaka ki avec Kagame avec les fameux nani. Et c'est là. Mais comment yo ko kende bango ba sali bor na bango. Hein? Soit disant les pays de l'Est. C'est du danger. Et en plus de cela, bah juste une armée ou un bah côté ici bango. Mon frère, faut bon monaka et boyo kaka oyo biso ba sakoni tozo ebisabi. Oye bité que mutu mususu ko benga ye aya ko soutenir le yo mais aye ne ko bomaye. Pour preuve, tu as bien Monusco a soutenir le Bissot. Est-ce que Monusco a soutenu le Bissot? Pendant plus de 22 ans, tu as incapable, c'est-à-dire classe politique, il y a détecté que la Monusco est là pour nous combattre, pour nous tuer. Et la preuve est là. Vous avez vu des manifestations de Kenya. Est-ce que la Monusco a tué la population congolaise comme ça, à bout portant? L'État congolais, les dirigeants congolais n'ont rien demandé les morts de tous ces citoyens congolais. Bonjour, prophète Benjamin. Bonjour mon frère. En fait, Benjamin, je suis belé, je suis comment on commencer à faire une activité, une activité, une sensibilité, une bonne santé. Santé, Ezali, moi, malamu, na makasi en kolo, makasi en zambé tata. Je belé, oui, na Kinshasa, mboka ya munene, oto bengi capitale, oui. Mais, to zali na kati ya Congo, pambate Congo, ezala aka na Kinshasa te. Congo et Zalina, ça a toute sa grandeur. Et je vais réfléchir que ce qui est total géographie à Congo, tout le monde a que Kinshasa et Zalina, quoi? C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui a Congo et Zalina ailleurs. Donc, tout ça, là qui est pour circuler dans le Congo profond et surtout dans sa grande partie est. Bon, on a commencé dans la partie ouest, Mwanda, Matadi, et puis tout qui est dans la partie est. Et ton côté quand même est à Rwanda pour la mission prophétique où tu as pour Mboka ya Congo. Merci beaucoup, prophète Benjamin. Le tout va dire sur la marche où vous avez commencé le 19. Je vous ai la marche à David, qui a été mis la confession religieuse aussi pour la marche où vous le 19. De ce que vous avez dit, c'est que vous avez la sécurité et la République du Congo. Ça va y beaucoup même pas si Ming et tout ce bâtiment en Boka toujours qu'il n'y a pas vis-à-vis la sécurité ou déranger Bahi Est et la République démocratique du Congo en Boka tu habites toujours en nouvelle il y a bien et pas y en a tu vas pas y a l'état congolais ou tu pas la mino Bahi population nous besoin d'un quartier terrain tu peux te dire sous ou ma cambo ici quand t'as la voyage à présent kenyan retour à ce que tu as dans quatre ans payé il y a la République démocratique du Congo peut-être totalement en Boka peut-être c'est quelque peu complètement sur ce que t'as la République démocratique du Congo, est-ce que vous voyez, j'en ai eu beaucoup de s'attendre à un moment où il y a 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 marche moment où il y a un 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 moment. Et ndeko nangai marche wana et kambama ki na bande kona biso les chefs religieux notamment ba église de réveil et ngai tango na landaki bande kona biso ba chef ya ba religion ya ba église de réveil ba pesa ki communiquer na télévision ya liboso ezalaki ki to landaki yango na RTNC que marche tozo sala destination to pesi yango oyo. Toko kutana na palais du peuple na 8h, toko marché na avenue de la libération, ex 24 novembre, tino boulevard rond-point Mandela. Toko longwana tokei ti boulevard du 30 juin et ensuite délégation ikei ti na Nations Unies
na représentation quartier général à Monusco pour na kokende kotika memo na biso. En fait, eloko esepelisa ki ngai ezaki miloko mibale prophétiquement parlant tangu bande kona biso ba église de Revin oyo biso prophète Benjamin Kawanga na biso ba mouvement citoyen na bande ko mususu to taxaka bango et en raison d'ailleurs que l'église de Revin ils ala beaucoup plus pour na ko endormir le peuple congolais parce que ba aplikaka phase ya mibale ya bible te que il y a un temps pour prier, il y a un temps aussi pour se battre. Église de Revin, bande ko tika la kaka na philosophie ato sambela kaka to sambela kaka. Mais le kola bazui conscience ya ko rejoindre biso que il y a des choses qui se passent que lorsque vous vous mettez debout, bien que vous êtes les hommes de Dieu, même Israël abundaka na bana ensemble. Alors, nous avons apprécié d'abord cette attitude et on a dit qu'il faut que nous encourager bande ko na biso ya église de Revin. Ya mi balé za la ki destination wana. Et surtout la finalité na Monusco parce que oyebi ki biso tozala ki na yo na parler du peuple le 15 mai et le 15 je crois septembre et si kawa pito kené kotika memo na biso pona ko pesa Monusco litmatu ya kobima na mboka na biso ya 4 mois jusqu'au 4 janvier litmatu mozali wana Monusco fo bima na mabele na biso. Mais nous avons été surpris, grandement surpris. Oyebi bien Église de Revin, ils ont toujours si même pas pouvoir, ils ont le régime, ils ont le Église de Revin, ils ont le régime. Ils ont le régime, 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 ils ont le régime. Mais nous avons été surpris que l'initiative Iwana, ils ont été très bonne, mais on a été bloqué. Nous avons été bloqués. Nous avons été innervés. Comme ici, nous avons été bloqués. Mais bon, on nous a empêchés énormément. Et Samara est rappelé, il est là. Et rappelez-vous, il y a toujours la marche contre Vincent Karega. Kaka ici, Kawana, dans une herbe, il va empêcher. Mais il y a un grand monde dans la ville, parce qu'il y a trop de situations. Il y a beaucoup de monde parce que vous avez tellement ébélé, il y a beaucoup de monde. Et donc, les hommes de Dieu, les chrétiens, ils ont un peu de monde dans la ville. Et puis, ville est en train de se faire. Mais il y a beaucoup de monde dans la ville. Non, écoutez. Écoutez, comment on veut nous parler que des infiltrés dans ce pays? Donc, tout celui qui veut revendiquer, c'est là où on va à l'infiltration. Tant que Karega aye à Wabiso, Toyebisi, Bango, que Karega est infiltré, l'institution n'a pas de service, n'a pas de Karega. Vincent Karega, ambassadeur rwandais. Et les lots Karega, Atikele Bisso, bombe, Atikele Bino Soussou, M23, Bomona qui a monté. Il n'y a que lorsque les Congolais se révoltent ou se mettent debout, ne Bomona infiltré. Non, non, ça c'est inconcevable. Parce que vous avez appelé les gens de se mobiliser. Tous se mobiliser quoi? Tous se mobiliser dans la conabison? Tous se mobiliser, Non, non. C'est du n'importe quoi. La mobilisation doit être faite avec des objectifs, avec des finalités. Nous devons nous mobiliser face à ceux-là qui sont les complices. Parce que la Monusco, il fallait à mon angouillement, wana, à mon la masse congolaise, qu'ils se revendiquent pour dire que trop c'est trop. Parce que la complicité à la communauté internationale, ils allaient avérer, ils allaient visibles. Si le peuple se mobilise, besoin empêcher à Kotana Gombe. Est-ce que Gombe comment un pays dans un pays? Et comment Kalina de l'époque où les Noirs ne peuvent pas accéder, nous les autochtones, nous les ayants droit, on a compris que c'est vraiment une déception terrible. Et bah, les hommes de Dieu ont été bousculés comme s'ils étaient le petit peuple. On nous empêche, bah, militaires, oh, bah, je sais que nous. Bosukawana, oh, borekile, bokorekile, ba militaire ona ba police, ba kokene ko yibisa teke ba M23 ba rekile. Na batinga ki binu kane tukane tonga na milili o mwana mboka. Mais évidemment, batindi ki ba homme de Dieu comme ici, ce sont les petits peuples. Mais moi quelque part na sepela ki nango. Na sepela ki nango ndenge ni po pesa ba ndeko na biso ba église de réveil en particulier et tous les chrétiens en général bino namuno oso na komilo na mingi na bino pe boza musa na nzambe non prophète oui na zamu sala nzambe na zamu sala nzambe ona mona bakamona banakala je suis parmi les rares serviteurs de Dieu au les grands manifestations oye biango mais ba sala nzambe bele batika la kana ba biro na bango na ba église maintenant parce que ngana zamu sala nzambe en même temps membre du mouvement citoyen l'objectif est aligné prophétiquement parlant ce pays que Kimango nous a prophétisé
Ils allaient dans la finalité, nous devons nous révolter pour arracher la deuxième indépendance. Parce que cela confirme clairement que nous sommes un pays occupé, nous sommes colonisés. C'est la deuxième colonisation. C'est ce qui explique que MONUSCO a été en place pendant plus de 22 ans. Puisque MONUSCO a saisi le système occidental pour nous coloniser. Voilà les preuves. Et Zaliwana, on empêche les hommes de Dieu, ne même pas accéder dans le boulevard de 30 jours. Et si Kab a empêché nous, les hommes de Dieu, c'est plus de 200 mètres. Plus de 300 mètres d'ailleurs, et c'est quand quartier général. C'est inconcevable, mon frère journaliste. Et donc, ceci confirme ce que nous avons dit, que le Congo est sous la deuxième colonisation. Et nous devons faire les actions concrètes, voire même ciblées, pour chasser la MONUSCO, qui est la représentation de l'Occident avec le système occidental pour nous coloniser. Madame Boka, vous êtes un pays indépendant, vous êtes un pays sous colonisé, Madame Boka, prophète Benjamin. Ah! Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez un peu parce que si vous avez un Congo, vous pouvez vous faire un peu. N'est-ce pas, non? Mais après, il y a la République qui est dans un stade de martyr. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Il y a une volonté. Lorsque vous donnez le pays dans un peu de Dieu ne fait jamais une chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu est représenté par ses serviteurs. Voilà pourquoi nous devons vous dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pays est d'abord... Il faut d'abord révéler l'état des pays. Le pays est sous la deuxième colonisation. Colonisation auto... Indépendance auto-joie, voilà, Yeshua, quand il est au centre. Pour preuve, 62 ans plus tard, nous vivons la même situation. Et donc, les lots, ils allient ce qu'on peut appeler en français la colonisation moderne. Mais ils ont senti que le bateau basé dans l'œil prophétique pour vous révéler que le Congo est sous la colonisation. Et maintenant, si nous arrivons à comprendre cela, nous allons maintenant prendre des mesures pour arracher la deuxième indépendance. Première signe, oh, qui est payé, de la sacrée, qui est payé, de la colonisation, de la colonisation. La présence à MONUSCO pendant plus de 22 ans. C'est la colonisation. Dans un pays souverain, on ne peut pas avoir les armées. On doit avoir une armée nationale. Est-ce que vous voyez que MONUSCO est allé présence, il y a des armées. Deuxième signe, les armées moussoussouyées, les noms. Au Bengango, les armées de l'Est. Il y aura combien des armées au Congo? Et où est alors l'importance de l'armée nationale? Et je peux vous citer autant de signes. Signe moussoussou, vous ne pouvez pas manifester dans le boulevard du 30 juin. Mais je vous ai dit, c'est comme ça s'est passé dans les Kalina, à l'époque. Vous ne pouvez pas accéder dans la capitale, des capitales Gombe. Donc, et des signes sont au-delà de nous. Ce qui n'a créé économiquement par là, je vais vous révéler encore des choses. Merci beaucoup, prophète Benjamin. Tu ne peux pas manquer dessus sur la sécurité et la République démocratie du Congo. Vous avez dit mon corps, monsieur, quand on va la partie Est de la République du Congo. Bonne situation à Est, mon amboka. Tout ce qui est battu, tout ce qui est mon amboka, malgré tout, il y a qui un pétrole au baboué, qui est chassé au baboué. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amboka? Vous avez dit que la partie Est. Est-ce que réellement, il y a des groupes rebelles dans la Est de la République du Congo? Tout ce qui est Congo, il y a des groupes qui se révoltent, mon amboka. Non, non, il y a moins de Congolais qui se révoltent et il y a plus les chantiers ou les chants des groupes rebelles. Baza et Bélé. Et bah, groupes rebelles au Tondi dans l'Est et Mboka, ils allaient beaucoup plus financés par l'Occident. Au moins, les pays occidentaux, chaque pays occidental, ils ont un groupe rebelle. En commençant par la France, les États-Unis, l'Angleterre. Tous ces gens-là, ils soutiennent leurs groupes armés. Et surtout, ils soutiennent leurs fils biologiques, Kagame et les Rwandais de tous. Donc, en dehors de ce soutien-là, ils ont l'occasion de prendre tout, presque toutes nos minéraux. Au moment où nous sommes à Kinshasa, il y a une distraction trop à Kinshasa. Donc, si tu as un peu de temps, tu as province peu de temps, tu as un peu de parce que ma terre, ils sont de plus en plus occupés par les étrangers. Donc, les Rwandais, donc les Chinois. Donc, c'est terrible, c'est catastrophe. Donc, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps,
Là, tu vois, il y a des distractions, des falis, des bêtises, des musiciens, ceux qui sont wengés, des bêtises. On reste dans les distractions inutiles. Oh, tu vois, il y a des gens qui ont des noirs, qui ont des kinshasa, qui ont des liaka, ils ont des produits à la kinshasa. Ils ont des produits à l'intérieur. C'est qu'on a des minéraux, qu'on a des taxes, qu'on a des taxes, qu'on a des kinshasa la plupart. Et donc, je vous dis, situation, il y a moka, surtout dans la grande partie est. Ils allaient catastrophiques. Et c'est ce qui prouve, on a otaki koye bisayo, que le pays est énormément occupé, c'est-à-dire le pays subit la deuxième colonisation. Puisque là-bas, c'est encore plus grave. Ce qui se passe là-bas, c'est en complicité avec vos députés. Au bas, vous avez un peu de mais je vous dis, les députés sont les plus corrompus dans les provinces qui même. Ah, on a dit ça. Bah député bah comment bah on est bah complicité à coco tu sais qu'à bah étranger pour bah exploiter ça en fait qu'on leur donne 10 000 20 000 30 000 dollars. C'est le cas par exemple au Maniema où je suis même victime de menaces de députés dans le territoire de Kailo qui ont cédé la terre aux Chinois bah au bas même pas un document valable à exploiter et ils ont exploité plus de 2 km dans les carrés miniers de là où moi je suis né sans donner aucun franc, ni à l'État congolais, ni à la communauté. Et donc, le pays est en train de partir de plus en plus. Et nous devons nous lever. Et surtout, agir. Parce que c'est grave. Et là, c'est ce que je vous ai dit, la deuxième indépendance s'invite et s'impose. Et l'indépendance, on n'en sollicite pas. On n'en négocie pas avec vos histoires, ou bas négociations, les pays de l'Est, ou bas diplomatie. Heureusement d'ailleurs, vous avez reconnu que ma diplomatie a échoué. Donc, il faut arracher la deuxième indépendance. Mais moi, je vais arracher la deuxième indépendance. Bozoakango na Lumumba, oui, Lumumba c'était un corps. L'indépendance au Congo a commencé, a été arrachée spirituellement parlant avec la force divine de Simon Kimbangu. Ça c'est un. Et Lumumba Mususu Abima, oui, vous avez raison. C'est-à-dire Lumumba ça veut dire une nouvelle classe politique au Congo. Parce que classe politique au Toanango, ils ont essayé de jouer. C'est une classe politique corrompue. Comment vous êtes un député, payé plus de 20 000 dollars dans la tête des Congolais. Mais tu fais encore, tu se fais encore corrompre par les Chinois. Osa Mutumbi, osa Nyama. Et donc c'est une classe politique maudite. Mais tant que vous avez blague, on a parlé du peuple. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans les pays. De deux, comment vous êtes un pays? Vous n'avez même pas la géopolitique qui n'a binoti. Lorsque vous êtes un parlement, vous acceptez que Bisotoke ne kokota dans les pays de l'Est. Oh, les pays de l'Est, ce sont les pays ennemis de la RDC, mon Dieu. Bon, est-ce que accord il y a Bissoto Kota dans les pays de l'Est, Binobo, Parlement, Botangakien, les Mbosso et les Bahati, est-ce qu'ils ont, ils ont lu ça? En fait, la forme, il y a colonisation, ils ont ça les Malélo, peut-être Batmazo et Bati. Ça se fait beaucoup plus avec les accords où la classe politique ignorante, inconsciente, elles ont signé sans tenir compte des enjeux, des difficultés et des problèmes qui surgissent. C'est parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de 1-23, 1-23 représente quoi? L'accord du 23 mars. Vous voyez le problème? Et quand vous signez ces accords-là, vous tenez compte de ces pays. Et donc, il faut un autre Lumumba, c'est-à-dire une autre nouvelle classe politique. Consciente, révolutionnaire, qui va libérer d'abord le Congo. Mais non, une classe politique de mâchoire, de mangeur, qui espère que manger, biver, être corrompu, il ne tient pas compte. Comme je vous ai dit, mon frère, tout en la histoire de Mboka na biso, quand le roi Désiré Kabila a yé na ba Rwanda, wana, tant qu'on a kabwani na bango, au moment où le Congo est comme ça, le roi Désiré Kabila a joué à l'allié na Ibarakinan, il y a l'Ouest. Dans ce monde. Balié nous sommes un pays presque non sur l'est, basé avec Kagame et avec les fameux nani RCD. Mais comment yoko kende bango va sali borna bango, hein? Soit disant les pays de l'est. Beaucoup qu'on soit sous Congo, beaucoup qu'on côte sango. Mon Dieu, c'est du danger.
Et en plus de cela, bah, juste sur l'armée, on a côté ici. Non, juste, il se compte pas. Il faut des séances pour aider. Il faut que les gens habitent en bas de la vie. Vis-à-vis à la mort, de mon pays, tout ce qu'on a. Mon frère, il faut que mon aka, et boyo kaka, oyo biso basakoli, toujours sabino. Oye bite ke moutou moussou soko benga ye, aya ko soutenir yo, me aye neko boumaye. Nenye to zangi ma yeli. Pour preuve, to benga ka Monusco aya ko soutenir biso. Est-ce que Monusco a soutenir ka biso? Pendant plus de 22 ans, to zang est capable, c'est-à-dire classe politique ou yo, ya ko détecter que la Monusco est là pour nous combattre, pour nous tuer. Et la preuve est là, vous avez vu des manifestations de Kenya Est. La Monusco a tué la population congolaise comme ça, à bout portant. L'État congolais, les dirigeants congolais n'ont rien demandé les morts de tous ces citoyens congolais. C'est la Monusco. Avez-vous déjà vu la Monusco et Bomi Atam rebelle Moko? Eh non. C'est pourquoi nous avons dit dans notre mémo, la Monusco égale la guerre et non la paix. Et donc la solution, nous devons chasser la Monusco. Parce que le départ de la Monusco est consulé à Congo, Congo est Tikala. Nos militaires sont plus grands que la Monusco. Et la même chose que Bao Union Sobobéni Bangwana. Tous ces militaires vont aider les Congolais à quoi? C'est faux, mon frère. Pour preuve, Ndeko Félix Tshisekedi alobaka que ceux qui baillent, Bakobundisa M23. Depuis Baye, je ne sais pas si M23. Oui, je ne sais pas. Oh, il faut diplomatie, il faut négociation. La négociation, on dit que gagne un seigneur retrait à la coupe rebelle M23. Malheureusement, Toga et Kolobati font le bon nombre. Bah, ça a un le collabage. À cause de la classe politique. Non, qui gagne, ils sont à 5 M23 et Longwa. Parce que M23, tout ceci, c'est continué à mboko officiellement, mon Dieu. Hein? Ah oui! Ah oui, les armées wana ba pays de l'Est au Kotiwana. Et c'est ba armée à Kigali. Mon Dieu. Sikoyo, il y a cause sur la M23 pour faire quoi? Mais ces armées-là sont venues, ils ont un plan machiavélique de s'interposer pour exécuter les plans de la balkanisation. C'est, ça veut dire quoi? Véritable armée. Révélation, toi, Benjamin. Oui, révélation, oui. Parce que. La parole de Dieu vous dit ceci, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. Mon peuple ezana ezangi imoni soli, ezan peuple ekokende, webi mutuka soki ezana frete ndeko. Webi bakside ko sala. Ne bakside ko sala mana Congo. Tant que classe politique na biso elingi ko yoka ba révélation. Classe politique, lui ka motela révélation mana mboka. Mais oui, yango na lobi ke ezali révélation parce que peuple congolais il faut yeba ke c'est un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. L'esprit de Kimbangu qui nous est donné, c'est l'esprit de Daniel qui révèle les choses cachées. Tant que nous avons une armée, il y a un pays de l'Est. Vous allez, on a un pays de l'Est. Tant que nous avons une équipe de un pays de l'Est, RDC, c'est la quitte. RDC, c'est un éco-cota. Et mi koti sinde na mutambu. RDC, mi koti sinde na mutambu. Tout le monde a mis sur le Congolais. Wale dans nos questions ba fanatique était au gauche droite et ali question à côté la mboka. Vous comprenez? Parce que même yé moko muto benga ki bango azo kamwa. Moi na mboka fati. A espérer ki ke ba ko sale loko mais et loko bango ba a espérer ke ba ko sale za faux. Ba kotisi na piège ma casse et ba kotisi ko na piège na biso. Au moment opportun na kolobela ka yo au ba peuple congolais na micro na yo le plus les sept plus grands accord qui lie le Congo. Mais concernant d'abord, il y a l'armée Wana. Il y a les systèmes tous power. Il y a les systèmes nilotiques qui ont une mission diabolique d'exterminer les Bantous, les Hutus que nous sommes. Parce que nous sommes les Hutus, les Bantous. Mais les pays de l'Est là, sont constitués de Tutsi, les nilotiques. Et qui sont aujourd'hui soutenus par l'occidental satanique, c'est-à-dire les occidentaux. Donc, maintenant. Retrait à M23. Retrait à M23. C'est lui qui est dit M23, monsieur. M23, monsieur, ils allient armée Wana Oikoti. Ils allient M23, monsieur. Et puis, quand on s'est retiré, ok, what? Et qu'on nous dise aussi d'autres accords qui sont là.
Et puis qui dit que dans la lobby qui va se retirer? Mais Kagame. C'est officiellement Kagame. C'est Kagame. Oui. Ok, Kagame à lobby va se retirer. C'est-à-dire que 1-23 n'existe pas. C'est Kagame même dans lobby qui n'a juste qu'on y va par Nangai, n'a retiré armée Nangai. Parti est comme Kimia. Donc, le problème est que comme Kimia, bon, pour preuve tout ça, il venait, est-ce que comme Kimia? Bah se retirer les sous, bah se retirer les sous na Kabila, bah cause abyssal que oh on a défait l'M23, les lois ça y est, ils ont glissé sous. Donc ils ali même stratégie et les lois ça plus grave parce que bah ça remplacer une armée wana, c'est plus grave. Donc ce que moi je peux aimer, Kagame a avoué à la face du monde que c'est lui qui envoie son armée. Il n'existe pas une rébellion. Là nous sommes d'accord. Parce que ce que c'est là qui rébellion, en gros, il y a ceux qui ont été mis dans la mine, oh, un 23 va se retirer. En vertu de quoi? Ceux qui ont été mis, le Kouta n'a pas été commis dans la soupe. Parce que Kagame a été mis, ils ont fait des Congolais, n'a pas Congolais, n'a pas Congolais. Ceux qui ont été fait des Congolais, n'a pas Congolais, n'a pas été mis, un 23 va se retirer. Donc, ils ont fait des Congolais, n'a pas Congolais, ils ont fait des Congo, n'a pas Rwanda. Là, c'est clair. Et vous devez même éviter de nous parler de 1-23. Parler de le militaire rwandais ou ougandais, ils vont se retirer parce qu'ils sont remplacés aussi par d'autres militaires qui sont venus. C'est clair. Donc, bah, les groupes kenyans, les groupes ougandais, ce sont les mais pour preuve, Kagame, à quel moment on a président, le nouveau président kenyan, moi, il y a président, il y a Museveni. Il y a un accord au Rwanda. Dede, Kagame avait été soutenu par Museveni pour qu'elle ait le pouvoir, mon Dieu. Comment vous avez dit que vous avez été? Pour que Kagame ait le pouvoir, qui l'a soutenu? C'est Museveni qui a soutenu Kagame. Mes frères, je sais. Mais comment on doit oublier facilement? Si un peuple qui est capable, incapable de reconnaître juste l'histoire au sein de même pas 30 athées, voilà pourquoi toujours tomber dans ma piège et surtout classe politique dans Bisson. Doit se repentir et rentrer à nous, nous pouvons leur montrer. Et néanmoins, ton côté qui a tenté Bissouba Congolais, on ne peut pas laisser le temps à cette classe politique. Parce que nous connaissons que cette classe politique est arrivée au bout. Mais néanmoins, notre pays est en danger. Et c'est un danger qui date depuis plus de 20 ans. Voilà pourquoi Bissouba le Biboyi, on commence par la MONUSCO, ton Bengal MONUSCO. Et le peuple de l'Est, là où nous sommes venus partout, ne se fouillait même pas dans la Batouana Nyonso. Continuons à faire nos revendications populaires divines. Mais... C'est-à-dire, chassons la MONUSCO et demain on va chasser cette armée-là. Je vous dis, ne pas croire que le Congo est la puissance ensemble. Au bout, il y a un dialogue, il y a un dialogue dans les groupes rebelles, Azon solo là déjà dans Kagame. C'est simple. Parce que Azon solo là, sous n'a pas tout à l'époque. C'est Kagame même aussi à reconnaître que c'est Arména. Et c'est Arména. C'est clair. Azon solo là, sous n'a pas tout à l'époque. Et puis, moi, je suis sans le combat, le premier ministre, soka boyaki ko nenga boyaki, évidemment, ko pe sa photo na Kagame. C'est clair parce que les génocidaires Kagame n'ont ce seul bimi pour les. Il n'y a que peut-être les naïfs qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi Bissot Lobby, au-delà de Kagame, qui est déjà reconnu officiellement, il y a l'Occidentaux, les Occidentaux qui se cachent à travers la MONUSCO au Congo. Vous comprenez, hein? Donc, nous devons chasser la MONUSCO. La MONUSCO doit quitter Mabélé à Congo. Et ensuite, armée, on est là, on est là. Parce que Bakosa est de l'autre côté. Est-ce que attention, tout le monde a mis sur le Congolais.
Totikana, il y a une question de sentiment, gauche et droite. Moi, je considère que la classe politique tout entière, elle a déjà échoué. Mais Dieu est avec nous, et si tous les hommes de Dieu, nous devons nous mettre plus debout. On félicite les hommes de l'église, des églises et des réveils, mais nous devons aller très loin. Totikana, on a dit. Quand on sali, on sali, quand on marche, on va bengali na inerbe botiki. Et comme l'Église catholique, la CENCO, le comité laïque de coordination, nous devons nous mettre debout et surtout mobiliser tous les peuples congolais. Seule force que nous avons pour libérer ce Congo, ce Dieu est le peuple congolais. Parce que tu libéras le Congo en 1960, na ba armé. Vous comprenez? Tu libéras le Congo na ba armé. Il y a un mobile. Il y a un mobile qui libère le Congo. Tu as aussi libéré le Congo. Oh, maintenant, il y a un que. C'est-à-dire la vision oyo bis lumumba qui mangwa banana ngo et qui lumumba yana ngo, ça a appelé tout le peuple de l'époque. C'est ça la mobilisation. Là nous sommes d'accord qu'il y ait la mobilisation. C'est pourquoi toujours mettre en garde batu lokola ba bangobila. O bazo bloka ka ba homme de Dieu ba manifester pour na Congo. O éviter que ceux qui t'ont marché qui a venu de libération, boulevard du 30 juin, gare centrale jusqu'à la Monisco, et ils ont un impact sur le plan prophétique et même sur le plan politique. Mais pourquoi Yon Mobila a empêché la libération du Congo? Parce que tu es complice. Attention, Mobila, tu dois faire attention. Le Congo et ses personnes qui n'ont pas les armes. Et donc c'est à nous les serviteurs de Dieu d'agir et de mobiliser le peuple de Dieu. Parce que la classe politique congolaise a échoué. Mais tu ne peux pas empêcher la manifestation des hommes de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu es un serviteur de Satan, un serviteur de Kagame. Donc, l'infiltration aux classes politiques, surtout Ngobila, le gouverneur à Kinshasa, il faut faire attention. Faites attention parce que le Congo est arrivé déjà dans sa phase où nous devons arracher la deuxième colonie, la deuxième indépendance. Merci beaucoup, prophète Benjamin. Tu as commencé la mission. Et quand prophétique, na yo 2023, comment on a vis-à-vis de l'élection en Boka politique? Est-ce qu'il va faire quoi au deuxième mandat? Vis-à-vis de quoi élection? Il n'y a même pas d'élection d'ailleurs. Est-ce que d'abord l'élection est en retour dans le Congo? Ah. Et d'abord, bon, dans le baba vote, il y a une constatation en 2023. Et ce n'est même pas important, Isa. Ce qui est important pour moi, pour Dieu et pour moi, c'est la libération du Congo. Et des peuples congolais. À travers mon amour, à faire tout ce qu'il y a. Le problème, ce n'est même pas qu'à travers lui. Le problème, c'est que nous, les Congolais, il y a ça de mettre au Congo dans beaucoup de Yanzab. C'est à nous de libérer le Congo. Parce que vous faites, vous allez l'élection ou pas, et qu'on s'en est dans le Congo. Vous allez libérer l'élection, soit disant, trois fois. Est-ce que la guerre est ici dans le Congo? Est-ce que l'économie à Congo est bâtie? Donc, ça ne sert à rien de continuer à perdre l'État avec les élections. Moi, ce que je dis, prenez l'argent là si vous en avez un tiens qui soit déjà pour l'élection. Bon, pays, ça va se rendre. Prenez l'argent, wana, obino boli à wana, hein, dans le gouvernement, wana, bon, kabolango, trois carrés qui n'est dans mok, n'habitons pas dans mok. Voyez, parlement, et soit trois carrés, salaire n'a pas de basoda. Parce qu'on ne peut pas déclarer une guerre. Mais bon, si ma soda mbongo, tu bino boti kale boli à ba mbongo, bele, na parlement, na présidence et na gouvernement. Donc, ça nous compte, il ne suffit pas seulement, il y a que copé ça, Kagame Mbo. Mais il faut copé ça, armer la biso, ma coquille. Bana Mbo, ko bazo bunda. Bao bazo telengale, bana, ba congolais, bazo bele, bana besoin, il y a soutien alimentaire. Parce qu'il y a des catastrophes humanitaires. Mais le col à premier ministre à Zoloba, na francophonie, ce n'est pas la francophonie qui peut sa solution. C'est nous-mêmes d'abord. Commençons par nous-mêmes. Bobi Misaba salaire n'a bino trois quarts et soutenir Mbok. Je ne pas, moi je vous dis en tant que prophète, il n'y a pas les élections 2023, c'est une perte de temps. Et les élections ne valent rien au Congo. Ce qui vaut mieux au Congo, c'est la libération totale du Congo. Merci beaucoup, mon amour, prophète Benjamin. Numéro de téléphone, il y a un peu de temps pour vous. Oui, Baba Kolinga Baba Benganga, Baba Benganga na Baba Zalibanda, Baba Benganga na plus 243, 85. 67 034 56 85 67 034 56 Bokozwanga moko prophète Benjamin Kawanga. C'est le même numéro. L'État est arrivé pour libérer le Congo.
la deuxième colonisation a trop duré, il y a trop de morts, nous devons nous mettre debout pour libérer le Congo. Seule la libération, seule la lutte libère, la révolution divine et populaire est en marche. Merci beaucoup, mon prophète Benjamin. C'est moi qui vous remercie. We'll be right back.